merci en pile parce qu'avec ton alliance sous télévision nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. D'après la prendre direction Carrefour, nous prenons le garder centre culturel Emmanuel Chalmay. C'est lui qui va le présenter aujourd'hui. C'est nouveau né dans la commune. Mairie Carrefour décide l'offrir population carrefouroise là espace ça, espace de recherche, un espace de rencontre. On espace côté monsieur dame Kafouyo capable faire lire parler moun amuser que tout ça dans centre culturel Emmanuel Chalmay et la jodia d'après surtout mettre accent sur un événement pour permettre nous poter coller dans gros coquin chaîne réalisation ça et c'est avec plaisir d'en recevoir une responsable communication mairie Kafou Ted Ismaël Nordé c'est avec lui pour regarder motivation mairie. Le fait que le mettez campé centre culturel Emmanuel Chalmay, finalité projet ça, à qui niveau il est aujourd'hui à, et qui s'est manqué pour faciliter l'inauguration centre là 17 mai 2021, cas privé là. Monsieur Nordé, merci à pile parce que vous êtes disponible pour TNH Matin. Merci Serge Gignot, bonjour, bonjour à tous, bonjour Haïti, bonjour Carrefour. C'est un plaisir pour nous capables là, dans la mise au point justement pour nous capables de faire le point. Le centre culturel Emmanuel Chalmay que mairie de Carrefour construit pour la population Carrefour, mais pas pour Carrefour seulement, il a desservi toute la République parce que tout le monde qui a pour Carrefour vient profiter de centre culturel ça. Au fait, l'activité aussi pour 3 jours qui va venir la semaine là. Donc nous bel et bien présents pour nous faire le point sous événement sac à privé sous le sous. Parfait. Alors le centre culturel Emmanuel Chalmay, c'est Carrefour, je dis à chaque fois mon bras le Carrefour. S'il n'est pas dans la ville, là, la sortie dans la capitale, là, il y a un pile qui a sauté, il y a un pile qui a cassé, ça n'a pas dérangé nous au niveau mairie, le fait que Mounio Jodia ont déjà fui Carrefour. Ah ben justement, justement, on a rappelé nos Carrefour, c'est une ville sœur de un paquet de l'autre ville, et particulièrement la ville de Port-au-Prince. Et nous tous nous connaissons qui ça, Martissan représenté comme un pack sous Carrefour. Jodia Pouvini Carrefour, soit sorti centre-ville, et Martissan, c'est un Carrefour qui. Incontournable ou capable de passer là. Gain l'autre route nous essayer faire jodi a pour nous capable passer par exemple il y a monde qui passer par Saint-Roch mais la majeure partie de la population c'est Martissant ou passer. Donc nous vivons impact nous subit de impact Martissant de insécurité a mais il faut rappeler que Martissant pas Carrefour. Soit en pile monde qu'on est à critiquer Carrefour par rapport au fait que yo subit en pile et par rapport à insécurité a mais faut nous rappeler et n'a défendre ça Martissant pas Carrefour. Maintenant ce qui arrive, c'est malheureusement son situation qui dépassait la mairie de Carrefour. Comme premier garant de sécurité ville là, eh bien, lui t'a supposé en mesure pour être capable de pallier à la situation. Mais c'est bien malheureux que son situation qui dépassait mairie, qui dépassait collectivité aujourd'hui, qui t'a doué adressé par l'État central. Donc, on attend avec un pile espoir que retour à l'ordre de la fête, parce que aujourd'hui, c'est pas seulement Carrefour, c'est pas seulement centre-ville, mais c'est Haïti quand même qui a crié par rapport à phénomène ça cap gangrené population. C'est ça. Alors l'autre était plus sur un blocus là, mais je veux dire c'est plus insécurité, kidnapping. Ah mais justement blocus là aller. C'est très peu ou car un blocus ça lié, mais je veux dire c'est kidnapping, c'est armes cap circuler, c'est fusillade, c'est enlèvement ça dépasse tout le monde. Longtemps Carrefour t'es pour des tickets route de Carrefour, t'es pour des tickets question blocus. Mais je dis, ça dépasse nous. Je dis, c'est l'insécurité qui justement fait peur à travers les rues de la capitale et particulièrement dans Kafoutou. Oui, justement. Par exemple de situation que le pays a traversé. Parfait. Là, maintenant, par contre, si dans le niveau mairie Kafou, il y a des petits parlers qui fait avec l'autre commune sur Yo, par exemple, Port-au-Prince, pour être capable de mairie en bourrade. Parce que ça capable de faire tout, l'argent, l'activité qu'on fait de Carrefour n'est pas arrivé possible lorsque sa réalité a été alliée, je veux dire, à n'importe quoi. Ça. Tout à fait, tout à fait. Phénomène sociopolitique que nous avons traversé là, troubles sociopolitiques, ça a impacté sur l'économie du pays. Mais qu'on va comprendre que Carrefour, c'est une ville qui est liée à un paquet de départements. Pour aller vers la Grandeur, vers les NIP, vers le sud, le sud-est, il faut passer par Carrefour. Mais malheureusement, Jean lié aujourd'hui à la. En pile monde qui était traversé Carrefour pour y aller acheter Port-au-Prince, je dis ça fait peur. C'est Martissant, Abdil, c'est le Carrefour obligatoire. Phénomène d'insécurité, magistrat Julien Edouard particulièrement, toujours travaille en symbiose avec les services déconcentrés de l'État qui est dans la commune. Par exemple,
la DGI, et pour nous parler de l'insécurité, magistrat Jude Edouard toujours travaille côte à côte avec tout commissaire qui passait dans le commissariat de Carrefour. Maintenant, on va parler pour l'autre communion, par exemple. Maintenant, c'est à doué un phénomène qui t'a doué travail de concert avec les autres communes. Maintenant, vous pouvez comprendre que jodi a Fenam Antijan baisser les bras, mais c'est pas même force là. Maintenant, il est vrai que il y a des maires par intérim qui existaient. Son phénomène que mairie a travaillé pour que yo capable aborder là avec les communes sœurs. Mais longtemps Carrefour était ouais, donc on petit paradis hein, entre guillemets dans la région métropolitaine là. Une forteresse imprenable. Ville calme là, c'est ville la paix, oui, c'est ville hospitalière là. Mais quelques temps nous ouais, bah, ça voulait changer. Quand il y a un mouvement dans notre région, notre zone dans la région métropolitaine pas tout ça, mais Carrefour qu'on épargné, n'est-ce pas? Même une question d'insécurité, je veux dire, nous remarquer grand pile cas et d'assassinat qu'a fait dans la commune Carrefour. Ça qui passé. Justement, c'est un fait. Nous pas ignorer li, sans pas besoin citer. Ben récemment, nous entendons deux monde, trois monde, des cas de fusillade, un pile monde tombé en dans commune. Mais ça pas veut dire que Mairie li baisser les bras. Magistrat Jude Edouard récemment en rencontre avec les services déconcentrés en dans commune, il était par exemple sorti un décret, magistrat sorti un décret pour que il fait obligation à une série de institutions privées et l'État pour mettre caméra de surveillance et mettre vidéo disponible à la mairie. Yo magistrat Jude Edouard t'a également fait mention de achat de motocyclettes pour te faire des patrouilles motorisées pour te capable contrecarrer phénomène kidnapping là. Généralement le moun yo tande cas ça yo surtout gen tendance à critiquer, mais par contre yo pas connaît quantité mesures qui prend qui empêcher d'autres cas pour pas capable répéter. Donc ça ne veut pas dire que mairie et commissaire de Carrefour baisser les bras et les institutions sont là, il y a travail et c'est justement par rapport à effort il y a conjugué ensemble qui fait qu'on attendait beaucoup plus de cas. Carrefour par exemple, insécurité à nous reconnaître, c'est un fait à Carrefour, il y a des gens qui tombent, il y a des cas de fusillade, il y a des cas d'enlèvement même genre avec tout côté dans la République là, particulièrement dans la région métropolitaine, mais ça ne veut pas dire que la mairie a baissé les bras. Les travaux sont là, les travaux sont là. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour que justement nous avons rétabli un climat ça, de paix, de calme qui existait tantôt dans la ville de Carrefour. Mais pas toujours comme ça, Carrefour. Il n'y a pas de comme ça, Carrefour. Ça qui vient de passer qui fait que je dis, c'est sa réalité. Est-ce que dans le niveau mairie, nous identifions Kozio? Parce que au fait, si Kozio identifié, la capable plus facile pour nous porter solution. Est-ce que Kozio identifié? C'est génial. On est d'accord que ce n'est pas seulement Carrefour qui n'est pas comme ça. Il fut un temps, si pas pour le point, ça ne dégaine. Vous d'accord avec moi? Dans les années 80, début années 90, est-ce que vous êtes comme Village de Dieu? Est-ce que vous êtes comme Gravine? Est-ce que vous êtes comme Cité Soleil, Jean Le Téhiala? Est-ce que vous êtes comme mon père, c'est originaire de la Grandos? Il toujours dit, moi, il compte minuit, il prend le souhait Jérémy. Donc, ce n'est pas Carrefour seulement. C'est une question de la République. C'est pays, c'est région métropolitaine qui a frappé par un phénomène de sécurité, ça. On ne passe pas de bagarre sous Carrefour seulement, bien que c'est Carrefour qui apprend la parole le matin, mais son phénomène qui a gangrené tout le pays en général, qui n'est pas comme ça dans le temps. Donc, pour nous aborder, on ne pas prendre par secteur, on aborde de manière générale. Je me suis dit Carrefour, malgré tout côté, tu as une tête chargée, même tu continues à l'école. Il pas dérangeant pour mon faire une activité on dit que mon qui qu'on a besoin Carrefour là mais pas là faire mon tout dernièrement là justement bon tout dernièrement là l'on parlait de 6 7 juillet Carrefour c'est seule ville qui pas de gain ni pillage qui pas de gain ni boule machine ni craser brisé. Il y avait des mouvements de protestation, tu gagne route qui était bloquée, tu gagne côté qui était caoutchouc à bouler, mais pas de gain scène ça au cap développer jodia dans la ville de Carrefour. Je veux dire, c'est le cas, ça privé. Ben, c'est le cas. Nous pas épargnés par fléau. Est-ce que la mairie a perdu le contrôle de la ville là? Ah ben non, du tout pas. La mairie n'a pas perdu le contrôle là. Il faut voir le verre à moitié plein. Ce que le maire toujours a répété. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, mais il faut voir le verre à moitié plein. Moitié vide, c'est ensemble de cas qui a privé là, qui répétait que tout le monde connaît. Mais moitié plein, c'est ensemble d'efforts que la mairie a justement metté en marche de concert avec le commissariat de Carrefour pour que le phénomène n'est pas allé plus mal. Ça, c'est quand même grave si pas de effort qui t'a fait. Parce que tout pour le commissariat, où se dit tout à l'heure, ça t'est arrivé dans une zone le créole là. Mais nous connaissons que effectif la police là, comparé à l'ensemble de la population haïtienne,
c'est moins de 20 000 policiers pour une population d'environ 11 à 12 millions d'habitants. Tu vois, le ratio, un policier pour X habitants. Maintenant, ça qui arrive tout près commissariat, on zac malhonnête fait. Malheureusement, pas de gain patrouille, pas de gain point fixe dans la zone, non, ça arrive. Maintenant, si nous avons cas de manière générale, bon, parler national, combien de gens de cas ça a? Combien de kidnapping qui fait Chanmas? Combien de kidnapping qui fait Bordedeo? Donc, ça qui arrive aux environs du commissariat, il y a un zac malhonnête fait. Bon, le rivet, mais pas de tas de rivet. Malheureusement, le pas de rivet. Parce que là, il m'a songé des enlèvements tout qui n'ont eu ce carrefour. Et si petit ça, dans l'école nationale, là, Dikini. Heureusement, jeune Sayo, il est retourné la caillou. Et fort heureusement, il est retourné la caillou. Vous connaissez quoi plus psychologique et Mériat est en train de battre. Justement, Mériat est. Demoiselle était kidnappée. Non, Mériat a toujours accompagné toutes victimes. Il a accompagné les victimes de manière psychologique, assister les familles tout dans la question. Réintégrer Mounsao par rapport à choc psychologique qui au fin subit à la mairie ne baisse jamais les bras. La mairie a toujours la présent tout près population pour le porter service Bali et c'est l'objectif de ça tout que mairie a même si c'est au terme du mandat mais mairie a pas lagué déjà bâtiment tout neuf ça un bâtiment flambant neuf un chef-d'œuvre dans Tor 12 le centre culturel Emmanuel Charlemagne justement pour desservir la population kafouaise. Si vous avez pour présenter pour téléspectatrices et téléspectateurs qui ont suivi le centre culturel Emmanuel Charlemagne, qu'est-ce que vous avez dit rapidement? Le centre culturel Emmanuel Charlemagne, pour l'histoire et la vérité, pour la petite histoire, on a rappelé que le magistrat Judédo a dit qu'il y a le nom de l'église alors qu'il était en campagne. Et puis, le pasteur qui lui dit sous ta élu, fais on veut qu'on y a là qui soit en remède, fais pour kafou. Il dit un centre culturel. Et puis, ils font deuxième, il dit le palais municipal de Kafou. Malheureusement, ni première ni deuxième, ils ont réalisé là parmi les 17 projets qui ont cours d'exécution à Kafou. Et seul palais, à qui pour qu'on fête, mais la fête quand même. Maintenant, le centre culturel Emmanuel Charlemagne, c'est qui ça? Par étoile, non? Dit la fête quand même, même si ce n'est pas Maïssa Judédo, mais Kafou a bien quand même un palais municipal. Parce que nous avons passé, mais les institutions. Reste. Alors, allez, vous présentez ce centre. Le centre culturel Emmanuel Charlemagne, c'est qui ça? Le centre culturel Emmanuel Charlemagne a commencé construit 20 janvier année dernière. L'a inauguré, on parlait de 20 janvier 2020, l'a inauguré 17 mai 2021. Le centre culturel Emmanuel Charlemagne, son projet qui over 70 millions de gouttes. Vous comprenez, on mairie qui a fait environ à peine 100 combien millions de gouttes, 110, 117 millions de gouttes, et non. Il y en a deux exercices fiscaux à réaliser un projet d'envergure, de telle envergure. Cette culture, Emmanuel Charlemagne, le nom c'est Mano Charlemagne, nous connaissons, un artiste qui passe Kafou, un artiste que nous récupérons mémoire dans Kafou, nous immortalisons dans Kafou avec cette culture. Ça, c'est une salle de lecture, ça nous est une bibliothèque et c'est une pigou salle de lecture qui est dans VIA. C'est pas nous-mêmes qui dit, le directeur de la Bibliothèque nationale Vin Kafou, il dit c'est une pigou salle de lecture. Que nous gagnons Kafou, c'est une salle de conférence, une salle multimédia, c'est un parc d'attraction pour tout le monde capable de venir jouer, c'est un jardin qui existait. Le centre culturel Emmanuel Charlemagne, c'est le seul bâtiment public qui gagne à Kafou, qui gagne un restaurant sous terrasse là, en terrasse que les terrasses Beken. Au fait, c'est ça, centre culturel Emmanuel Charlemagne, qui va desservir une population de 600 000 habitants. Donc vous imaginez, Maïssa a toujours dit ça, Kafou, c'est une ville bicentenaire. Neuf présidents de Kafou. L'histoire de Kafou, c'est aussi vieille que l'histoire de la République. Enfin, en 2021, nous pourrons gagner en centre culturel. Quelle est la motivation intérieure pour côté de l'Amérique qui fait décider l'offrir Kafou, centre culturel, ça? Ah, mais motivation, c'est qui ça? Motivation, c'est par rapport à quand c'était jeune, nous gagnons dans Kafou. Kafou gagne environ 200 000 élèves. Donc, comment on ville aussi. Représentative, pas gain en centre culturel. Critique yote en pile, Kafou pas gain en centre culturel, Delma gain, d'autres villes gain. Critique yote en pile, Mairie li pa adonnel pour li force timoun yo li, Mairie a pas gain en centre d'attraction culturel pour jeunesse là, mais en fin de mandat quand même, la marchandise a été délivrée. Le centre culturel, c'est sans pile effort, gain pile contrainte. En pile blocage, en pile mur, en pile barrière. N'a pas rappelé l'année dernière, en février, Vakamon Vinazam vient tirer, mettre du feu. Le Maïssa commence à faire fondement centre culturel. Là, Maïssa a dit,
même l'homme t'a mouri comme moi ouais besoin craser bouger même l'homme t'a mouri il te dit li mandé maman famille pour prendre sang ni incinérer jeter sang ni sous base centre culturel ça pour que justement il capable il prêt pour le ben nom ni sur le front toutes les mêmes pour que centre ça il capable construire. Vous dites projet a lancé en janvier 20 janvier 2020. Pour qui ça tout temps ça pour arriver à mettre ça de la capé? Ah ben 20 janvier 2020 c'est environ un an janvier ça fait un an et là nous a un an et trois mois. Mm-hmm. C'est pas beaucoup de temps. Maintenant nous voulons comprendre pour qui ça c'est en fin de mandat ça exécuté. Pour qui ça c'est en fin de mandat. S'agit de comprendre conjoncture et situation que magistrat Judé doit prendre mairie. Ou magistrat Judé doit prendre mairie avec environ 80 millions de gouttes de dette. Et maintenant, mes téléspectateurs comprennent ça, m'a dit là. 80 millions de gouttes de dette, 10 mois à aérés de salaire. Et dernièrement, en réunion, magistrat dit que lui prend 2 ans pour le payer dette ça et pour le payer aérés de salaire. Par contre, si nous comprenons le contexte élection là, on met au final lui entrer dans une commune, dans une administration municipale où j'ai 80 millions de gouttes de dette. Et ce n'est pas sous les pays, non. BH prend chaque mois, chaque le dette là, échéance arrivée pour prendre ça, prendre. Elle dit quelque chose comme l'église pour faire projet, quelque chose comme l'église pour faire route, pour faire l'école, pour faire d'autres projets, BH prend ça, vous le prenez. Il faut payer la dette, bien que la dette là, ce n'est pas lui-même. Deuxièmement, j'ai 10 mois à irer de salaire. Et chaque fois, dans deux premières années, le magistrat Judé Douario, il prend du temps pour être capable de remettre mairie sous escamp. Pour le mettre sur les rails pour capable démarrer. Et ça fait un paquet de projets, c'est en fin de mandat à exécuter. C'est pas seulement le centre culturel, il y a environ 17 projets qui ont coût d'exécution à Carrefour. Vous me parlez de la fin d'émission, mais aussi nous centre là coûté 70 millions de gouttes. Jusqu'à présent. Côté nous c'est environ, comme ça. Ben, c'est financement la mairie. Grand pile promesse jusqu'à présent qui poco atterri, c'est en grande partie financement la mairie. L'État central pas bail bourade dans l'État central fait des promesses, non pas que l'État central pas bail. Pour cette culture a démarré, il y avait le ministre de l'Intérieur des collectivités territoriales qui habitait à Carrefour, parce qu'il habitait Carrefour, et m'a permis moi pour me saluer ce grand homme, Rinaldo Brunet, à l'époque qui était ministre de l'Intérieur, et c'est lui-même, Maïssa Gédéa, dit qui était facilité 9 millions de gouttes. Mairie a mis 9 millions de gouttes avec 18 millions de gouttes, il a démarré le centre culturel. Dans quel niveau centre là, il veut dire phase finition, le bâtiment est fin prêt, jusqu'à hier soir, 2-3 heures du matin, bon, je tape travail. Non, bâtiment, c'est sans relâche, matin, midi et soir, nous sommes en phase terminale. Et ça fait, nous fait appel à tout le monde pour porter coup de main pour nous inaugurer le 17 mai. Parce qu'il nous faut des équipements, il nous faut des matériaux. Donc, bâtiment prêt, maintenant c'est équipé bâtiment, c'est de ça n'a pas là, je veux dire. Au monde qui a suivi là matin, qui a besoin de visiter Akli, visiter Akli, cette culturelle là. Okay. L'élevé qui ça la besoin la donne, qui ça cette l'offrir comme service. Jodi à l'élevé la besoin bâtiment pour être franc et sincère. C'est bâtiment la besoin qui en phase finie, bâtiment fini, c'est peinture, c'est décor qu'a fait n'a préparé trois journées d'activité 29 30 avril et puis 1er mai, jeudi, vendredi et samedi. Jodi à soit le visiter ou descendre dans Tor 12 pour monde qui connaît Carrefour c'est derrière d'audi n'est pas descendre. Ou a besoin d'un bâtiment flambant neuf. Alors, c'est où il y a le camp face au bureau état civil? Presque. On dit en face église épiscopale là. Parfait. Des deux dîners pour descendre. Ou a besoin d'un bâtiment fin prêt. Tout le monde est capable d'aller le visiter. Mm-hmm. Alors, le bâtiment, mais le bâtiment, ça, il y a là-dedans, on dit une terrasse. On terrasse, terrasse Beacon, qui a un restaurant là-dedans. Et m'a mentionné, c'est le seul bâtiment public où je ça. Restaurant. À Carrefour. Mm-hmm. Et puis, il y a une bibliothèque là-dedans. OK. En bibliothèque, il y a là-dedans une salle multimédia. Salle multimédia. Justement, une salle multimédia. Il y a là-dedans un auditorium. Il y a un parc d'attractions pour tout le monde. Et puis, il y a un jardin là qui pral, malheureusement, qui n'est pas bien prêt pour le jardin du centre culturel, qui n'est pas bien prêt pour l'inauguration. Mais, situation, c'est qui ça? Il y a deux cailles qui sont dans le centre culturel là que l'État a décrété comme utilité publique. Ça veut dire le processus d'expropriation qu'on a libre en temps en Haïti pour qu'on capable faire chèque pour les GI, vérifier tout papier correct, payer mounio de Kaysao pral détruit pour desservir la population, c'est ça va être le jardin du centre culturel municipal. Salle multimédia, bibliothèque, terrasse Beacon. Pour qui ça? Ah ben c'est toujours dans logique pour nous capable immortaliser valeurs humaines que nous gagnons dans la République au monde qui œuvre dans la culture haïtienne. Moi tout nous relais auditoire pyram. Justement.
On se dit l'empire. C'est toujours dans même l'idée pour immortaliser valeur que nous gagnons qui allait aux mains, qui met mémoire vivant dans mitan nous. Et surtout famille Piram, son famille qui quand même un grand passé dans niveau Kafou, la famille Dorfeuille. Justement, Dorfeuille. Ouais, qui très présent dans la commune et qui ont certaines notoriétés. Tous les grands hommes ne meurent, ne meurent jamais. Ils sont immortalisés à travers œuvre que ont quitté. Enfin, alors Piram, son vrai nom Piram, c'est Roland Dorfeuille. On me dit que passer de présentation. C'est ça. Alors terrasse, salle multimédia, bibliothèque, auditorium, parc d'attraction pour Timon. Parc d'attraction, qui vient le faire. Mais c'est parce qu'il a, qui prépare déjà, il fin prêt. Il nous reste seulement à ajouter jouet pour Timon. Balançoire et autres la dernière. Mais son espace également capable de faire spectacle. Et dans le parc d'attraction. Justement, capable de faire spectacle. Maintenant, où dites-nous, nous sommes dans la phase de finition, à 80%, 90%? Je dirais 80% parce que, en pile, le monde ne comprend pas ça. Il nous faut environ 30 millions de gouttes pour équiper l'espace. Parce que, nous avons un bâtiment fini, mais il n'y a pas de éléphant blanc. Le bâtiment ne peut pas le servir s'il n'y a pas d'équipement là-dedans. Et ça fait appel à tout le monde. Pour porter main forte, pour être capable d'équiper le centre culturel Emmanuel Chalmay. Maintenant, son propriété, mairie Kafou, c'est Emmanuel Chalmay Kafou. Ben justement, c'est conçu par la mairie de Kafou pour la population. Son terrain qui est là, qui a des abris provisoires, la mairie a entamé le processus, il a acheté ça pour l'acheter, il a aidé les gens qui étaient sous l'île pour être capable de déplacer, parce que l'on parle de abri, il y a des familles qui vivent là. Mairie acheté espace là, gagne un particulier qui fait mairie à cadeau tout en partie dans espace là parce que sous algade regarde configuration espace là c'est un courant L jodi à là c'est le centre culturel municipal Emmanuel Chalmay justement que mairie a fait pour la population. Qu'est-ce qui va le gérer parce que il n'a plus gros problème mais si c'est ici c'est que quelqu'un a fait une fête et puis après gestion bah problème et puis il va arriver Kembe. C'est une non la question qui a fait débat là actuellement. Mais mairie a voulu décharger de cette responsabilité. Lundi décharger, l'a toujours sous contrôle la mairie, mais mairie a préparé une administration qui pourra le gérer par des directeurs d'école. Donc ce n'est pas mairie directement qui pourra le gérer. Mairie a gagné un droit de contrôle, un regard constant sous centre culturel là, mais il va le gérer par des directeurs d'école, des personnalités de marque en la commune. Est-ce que ça veut dire son mix, son gestion mix, c'est ben, mairie, justement, et justement, secteur privé, carrefour? Justement, avec les directeurs d'école, justement. Maintenant, on dit nous avons 3 jours d'activité pour nous capables de permettre que nous ramasser fonds, nous ramasser matériel pour aider la bibliothèque là inaugurée, ou bien centre là inauguré le 17 mai. 29, 30 avril et puis 1er mai. On explique à Mounio qui ça activité. 3 jours d'activité, ça c'est qui ça? Premièrement, il y aura une foire gastro-artisanale. Une foire gastro-artisanale, tout le monde capable de venir consommer local, venir acheter œuvre artisanale qui sortit de artisanaux, venir consommer local. Et on a profité de faire une petite promotion ça pour le coin d'un restaurant qui est responsable aspect gastronomie. Maintenant, pendant 3 jours, ça a bon bagay pour nous préciser parce que probablement capable bay problème ça a été discuté récemment dimanche en réunion nous t'a fait collecte de fonds et collecte d'ouvrage mais nous connaît qui ça représenter en Haïti les détracteurs dimanche maïsta obligé prendre décision pour les stopper formellement collecte de fonds m'a rappelé que 29 30 avril et 1er mai nous t'a fait collecte de fonds et collecte d'ouvrage pour une raison importante, mais c'est obligé de stopper collecte de fonds. Pour qui ça? Nous avons une difficulté pour nous mettre un chiffre exact sur la quantité que nous recueillons. Et il y a un autre aspect, il faut nous considérer que Mairie a ramassé 10 gouttes, il y a des gens qui choisissent de dire Mairie a ramassé 15 gouttes, il y a des gens qui choisissent de dire Mairie a ramassé 100 gouttes. Nous connaissons la réalité en Haïti. Et nous connaissons tout le relevé de fonds, comment ça finit, ou bien ça affecte une série de monde. Pas besoin de citer non, mais au Canada, il y a 5 victimes de ça. Aux États-Unis, après 12 janvier, il y a ramassé l'argent pour Haïti. Victime de détracteurs qui ont dit ça, vous voulez, nous connaissons un pays, il y a tout son pays mangeur d'hommes. Et dans la logique, ça, nous éviter, magistrat prend décision pour stopper collecte de fonds. Maintenant, nous faisons promotion chaque élève, un livre. Un élève, un livre. Nous passons dans toute l'école. Il y a actuellement, pendant que je parle avec nous, il y a des cellules qui
dispersés dans les écoles pour que justement elle motive élève l'école. Chaque élève vient avec un livre. Maintenant, bâtiment pas besoin de livres seulement. Ça qui arrive, c'est Gino Lendor, ça qui arrive, direction TNH décide, dit, m'a fait un don à centre culturel là, c'est pas un livre, m'a baille chaise, m'a baille climatiseur, m'a baille ventilateur, m'a baille ordinateur, m'a baille tout matériel qui est capable d'équiper un centre culturel. Donc, 29, 30 et 1er mai, n'a pas gagné 3 jours d'activité du matin, 8h30 jusqu'au soir, invité tout le monde, pas seulement monde Kafou, mais tout le monde dans le pays là, qui trouvait que projet ça, c'est un signal fort que mairie a investi dans la jeunesse, l'a investi dans la culture, l'a investi dans ça qui est bon, dans ça qui est propre, dans ça qui est belle, dans ça qui est positif pour commune Kafou. Venez porter la main forte ensemble avec nous, porter contribution paola. Donc, n'a pas répété pour moun yo que nous stopper, magistrat prend décision pour stopper collecte de fonds, mais collecte d'ouvrage et tout l'autre matériel qui est adéquat pour centre culturel là, n'a pas recevoir les 29, 30 et 1er mai. Ça va vous dire après date ça, nous va recevoir rien. Il faut le préciser. Ça qui arrive tout demain, on nous décide pour des contributions par là, parce que le pape là pendant 3 jours ça. Donc et avant et après, n'a pas continué recevoir matériel, équipement pour le centre culturel municipal Emmanuel Charlemagne. Parfait. Alors est-ce que déjà nous avons une liste de besoins que nous mettons disponible pour monde qui t'a souhaité baïbourade par pendant 3 jours ça? Justement, je dis à un monde qui t'a souhaité baïbourade par les capables pour des livres. Un monde qui t'a souhaité bay bourad pal li capable porter chaise, li capable porter ordinateur, li capable porter bureau, li capable porter climatiseur, capable porter ventilateur, li capable porter toute salle qu'on est en bâtiment public, en centre culturel gain nécessité. Côté le café ça et comment le café ça? Capable aller dans mairie de Carrefour, c'est seul côté jodi a n'a pas recevoir matériel pour centre culturel là. Parce que jodi a centre là li en phase finition, c'est peinture qu'a fait, c'est décor qu'a fait, c'est plante qu'a planté, c'est la cour qu'a nettoyé. Seul côté nous ca recevoir matériel c'est dans la mairie de Carrefour, si ça dit Guinée 63 prolongé. Mais là on parle pour avant, mais pour 29-30 1er mai c'est 29-30 avril 1er mai c'est dans centre culturel là Tour 12 n'a pas recevoir tout don en monde dans main fait pour centre culturel là. Parfait. Là maintenant, il y a mon Kafou qui a suivi là pas dans le pays, mais qui a peut-être souhaité contribuer, na aider cette culture Emmanuel Charlemagne, avancer. Qui ça le capable de faire? Sergi, nous avons tourné sous même ça me dit tout à l'heure. M'pas vle dit c'est malheureusement parce que réaction était en pile. Réaction était vraiment en pile. En pile mon Kafou, en pile zanmi mairie de Kafou qui pas mon Kafou tout té manifester volonté, enthousiasme pour capable contribuer financièrement. Mais nous estimons, nous évaluons l'impact politique surtout. Ça a bien comme retombé, ça a bien comme retombé. Sous dirigeant nous, nous obligés sur soi sur cette décision. Malheureusement, nous peut-être annoncer après ça si il y a l'étude, c'est pas encore confirmé. Mais magistrat a suggéré que le centre culturel a fin inauguré commission qui va le travail pour mettre centre culturel à sous pied, la nouvelle l'administration qui va prendre charge, qui est capable d'organiser un relevé de fonds. Mais là, c'est pas mairie directement qui a organisé. Par contre, si nous comprenons la nuance là, le centre culturel a fini inauguré, il y aura une administration qui prendra charge. Donc, il a été suggéré, mais elle a été suggéré que c'est l'administration ça qui occupe le relevé de fonds. Mais c'est pas la mairie directement. Donc, conséquemment, personne ne peut pas épingler la mairie comme quoi nous font un relevé de fonds, patati patata, des tracteurs capables de dire ça, vous voulez, mais c'est l'administration qui va prendre charge, qui va occuper les deux questions relevé de fonds. Non, pour que ça. Pour donc que tout ça, le monde qui doit contribuer, est capable de faire un titan. Est capable de faire un titan. Pour que ça, nous perdons ça, parce que si l'a fait levé de fonds, hein, de la transparence, n'est-ce pas, une équipe qui travaille sous lit et nous avons un rapport sur la quantité qu'on nous recevoir, pas quoi le poser problème vraiment. Et qui te me dit non, Serginho, c'est des cas que nous étudions. Il y avait beaucoup de propositions. Il était qu'à fait par des agents de mon cash, il était qu'à fait par un banque, il était qu'à fait par organisation dans la commune. Jusqu'à présent, mais c'est clair, oui. Si une organisation dans la commune qui a une compétence pour ça, ça veut dire qu'il dit la prend en charge. Question relevée de fonds, mais ça, tu es prêt pour le faire. Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte, une fenêtre, une marge. Quelque chose d'organisation, instance dans la commune qui décide. Parce que mairie a travaillé avec un pile d'organisation de base. Quelque chose d'organisation qui a une capacité de prouver que tu es capable de prendre en charge cette question de collecte de fonds, mairie a été ouverte pour le débat, le travail, ça, aspect ça. Mais comme jusqu'à présent, pas gagné qui fait des propositions,
nous sur soi sous relevé de fonds hein, n'a reporté li pour après 17 ou bien après 3 jours ça yo. Mais c'est un bagage qui sur soi pour l'instant, mais la étudier possibilité pour que justement nous capable faire parce que centre culturel il besoin l'argent pour le filer, nous d'accord avec moi. 29 avril, 30 avril, 1er mai, c'est 3 jours ça yo, n'a fait un protocole pour permettre que nous joignent matériel, joignent livre pour un centre culturel Emmanuel Chalmay. À part de venir porter livre, qui l'autre bagage qui pourra gagner pendant 3 journées ça yo. Pendant 3 journées ça yo, n'a gagné des activités gastro artisanal, ça nous dit là. Non seulement capable porter équipement, mon capable venir découvrir gastronomie haïtienne. On capable venir manger local. Ou capable vin acheter zèv artisanal artisanaux yo. Donc c'est pas seulement vin découvrir espace là, vin garder beauté espace là, vin garder comment capable porter contribution. Gon moun c'est pendant le vin espace ça il dit oui m'te poton livre bam porter ça pito. Mais c'est également possibilité pour nous vin revaloriser culture la caïnon à travers notre gastronomie, à travers nos œuvres artisanales. Vous connaissez je dis à une plus grosse préoccupation et moun tête d'Ismaël Nodé c'est sécurité. Nous avons gardé l'étape de Marie et le programme. Les gens qui traversent les bâtissants pour le Carrefour, ça fait problème aujourd'hui. Dans le niveau de la mairie, qui est à disposition pour garantir la sécurité des gens qui viennent participer dans 3 journées pour décoller ça pour le centre culturel Emmanuel Charlemagne. Il y a 2 groupes de gens qui viennent participer dans l'activité. Il y a une forte communauté carrefouraise qui vient. Il y a un ami Carrefour qui vient. Il y a des gens qui sont des gens qui ne sont pas des gens qui ben c'est samedi. Il y a des gens qui sont des gens qui ont participé pendant 3 jours. Il y a des gens qui en dehors de Carrefour, dans les villes voisines, qui sont venus. Pour les gens qui sont des gens, mais il y a toute disposition nécessaire que le prend pour que hier, pour plus récemment, hier, le magistrat a annoncé qu'il y a au moins 2 backups qui ont sécurisé l'environnement centre culturel. C'est-à-dire que les gens qui sont venus, nous allons garantir que Carrefour, mairie prend toute disposition en matière de sécurité pour garantir l'activité. On a une responsabilité. Moi, je dis que mairie prend toute disposition nécessaire pour garantir la sécurité. Nous prenons toute disposition nécessaire pour garantir la sécurité. Ça veut dire qu'il y a un travail qui fait 2 concerts avec le commissariat de Carrefour pour que la sécurité des gens qui participent dans l'activité soit capable de garantir. Maintenant, pour les gens qui sortent de l'autre ville qui n'est pas Carrefour, qui disposition d'abord même mairie capable prendre qui pour pallier à casa. Mairie capable prendre toute disposition légale. Mairie capable travailler de concert avec DDO. Mairie capable travailler avec commissariat de Martissant, de Port-au-Prince. Mais nous connaissons réalité à s'allier jodi à la. La police dépassée Serge Junior. Hier plus récemment, il a attaqué un responsable de la police aux environs de Martissant. Maintenant nous pas capable permettre nous dit que mairie pas garantir sécurité moun k'ap traverser vini nan activité a même pense que ça son responsabilité qui aller au-delà de la mairie de Carrefour parce que son situation qui dépassait même les dirigeants du pays et son bagage pour nous aborder avec prudence parce que son dossier qui est extrêmement sensible mairie capable dit tout moun l'on vini Carrefour vini participer nan 3 journées d'activité ça ou n'a prend toute disposition nécessaire en matière de sécurité dans commune nan, pour que nous capable garantir sécurité tout le monde. Maintenant, ça qui arrive des cas, ça va veut dire que on est pas capable d'échapper nous, pas gain personne qui exempt. Mais en matière de sécurité, rassurez-vous que la mairie de Carrefour de concert avec le commissaire de Carrefour prend des dispositions de sécurité, des dispositions pour que justement 3 jours ça capable réussir bel et bien. Maintenant, vous connaissez 3 jours l'école parce que 29h30, samedi pas gain l'école forcément dans la commune. Antimounio, c'est premier, c'est public cible, nous. Justement. Comment nous allons permettre que vous participez? Est-ce que vous entendez que nous jouons avec direction l'école pour faciliter vos vignes dans 3 jours? Gagné plus que 2 semaines depuis que Mairie a mis des jeunes de toutes les organisations de la ville de York déployés pour aller faire promotion de l'activité ça dans les écoles. Maintenant, nous travaillons de concert avec les directions d'école. Matin, là, gagné des jeunes qui déployent dans les écoles. Pour nous capables de dialoguer ensemble avec les directions, pour nous dialoguer avec les élèves. Direction ou gain pour yo voyer délégation. Direction ou gain pour yo porter contribution par yo. Les écoles sont informées et vous mettez d'accord pour capable de participer dans 3 jours ensemble avec nous. Mais il faut nous dire tout que l'activité a c'est de 8h jusqu'à 7h. Donc ça veut dire l'école la gagne à 8h du matin à 7h du soir. L'école la gagne à midi, 1h, 2h.
Donc même l'école de la guette, si vous n'êtes capable de venir participer, il n'y aura pas de problème. Ils sont informés, avisés. Les directions prennent les dispositions nécessaires pour que vous soyez capable de faire participer à l'activité. Parfois, il y a des institutions étatiques qui prennent des initiatives. Tant que ça nous prend là, au niveau américain, fou, nous faisons centre culturel là. Mais population zone n'a pas forcément approprié de l'initiative ça. Qui ça mesure au niveau mairie pour faire mon kafou senti ça c'est pas par livrer c'est pour yo livrer gros sentiment de fierté qu'a dégagé Serge Junior pas gain tout côté mairie a passé même dit mairie a comité organisation activité ça tout côté nous passé pour nous faire promotion pour centre culturel là c'est avec un pile fierté que population allait accueillir un tel projet en ville bicentenaire pour la première fois administration municipale avec sous leadership on maire éclairé prend décision pour le construire centre culturel par un centre culturel c'est pas un carrefour qui veut le monde est capable gagner avec on telle initiative on tel projet en pile monde toujours à prend carrefour sous étiquette monde qui aime programme monde qui aime activité culturelle dépravée mais je dis il faut le dire ça qui bon faut nous battre bravo pour lui son projet que population li applaudit li acclame dans toute l'école nous passé direction témoigner que son projet que battre bravo pour lui et a accompagné mairie dans démarche pour finir centre culturel ça maintenant nous dit n'a inauguré le 17 mai ça t'avait dit n'a guetant paré pour nous pour l'offrir commune et bâtiment paré pour nous offrir commune centre culturel le 17 mai ça va veut dire que ce sera à 100% la inauguré le 17 mai mais a gagné quelques petits détails pour que nous capable finir centre culturel là et ça fait nous dit même après 17 mai n'a continuer recevoir contribution en nature ou bien en espèce pour que justement bâtiment capable finir à 100% 29 30 1er mai c'est là c'est pour chercher rendez-vous avec le centre culturel là nous avons des attentes particulières par rapport à trois journées d'activité ça yo faut nous dit que pour monde qui connaît Carrefour centre culturel en tour 12 tour 12 gagne tour 14 gagne tour 10 qui derrière lui conseil de route qui poko gagne revêtement l'état central te fait des promesses à la mairie de Carrefour pour capable accompagner lui et récemment yo réitéré volonté yo et engagement pour capable et mettre asphalte faire revêtement sur route ça. Mairie bat bravo et il salue geste ça que ministre là prend engagement pour capable venir accompagner nous parce que bâtiment qui noir belle mais si route là pas belle malheureusement ça fait défaut. Mairie de Carrefour salue engagement ministre public là qui est prêt aller d'arrache-pied travail. Jodi a même il te promettre que game a engin lou cap commencer travail dans route là. Mairie salue également Focal qui fait yon don considérable à activité ça mais il y a ça le BRH également ça don pour 600 000 gouttes jusqu'à présent mais il y a ça le BRH tout qui compte financer des livres qui prend engagement pour être capable accompagner centre culturel là en matière de livres en matière d'ouvrage donc jusqu'à présent attention en pile n'attendons avec en pile espoir attention en pile le 29 30 1er mai ou 10 fois gasoil artisanal collecte d'ouvrage, collecte matériel. Justement. 8h30 du matin, on a démarré. Jusqu'à 7h du soir. Et pour la journée, on a une animation musicale. Tout? Justement. On a annoncé jusqu'à présent, nous, un comité de travail pour que nous soyons capables d'offrir, offrir Troubadou, offrir quelques artistes locaux qui viennent dans la commune, qui sont capables de venir, offrir des performances musicales. Ou gagner d'autres artistes dans la commune, capables de faire valoir de capacité, œuvre, pour que justement la population soit capable de découvrir la valeur culturelle qui gagne dans le Carrefour. Au bâtiment, on compte une fête, mais il y a un gros morceau, c'est entretien. Voilà. Oui, on a fait une fête là, nous faisons une inauguration. Voilà. Et c'est puis inquiétude. Après ça, elle a arrêté le craser parce que l'entretien n'est pas fait. C'est inquiétude, Mairie, et c'est ça que je me dis tout à l'heure. Maïstra a pris une décision pour que ce n'est pas la mairie qui gère le centre culturel là. Donc, il faut que le Carrefour comprenne la logique là. Généralement, bâtiment l'État, construction l'État, ça qu'on arrive que négliger. Et un bâtiment de telle envergure, il demande un entretien très strict. Ça fait qu'il y a une commission spéciale qui a dirigé le bâtiment. Maintenant, jusqu'à présent, ce n'est pas encore prêt, mais on y travaille là-dessus. Qui était un monde pour supporter une initiative comme ça? Qui était un monde pour supporter une initiative comme ça? Un centre culturel qui va le desservir en population. Qui va desservir un jeune, je dis à la, qui côté l'État te gagne Carrefour pour un jeune dans le fond, t'as le prêté un livre. Qui côté l'État te gagne Carrefour
pour un jeune d'aller chita faire lecture. Qui connaît l'État te gen kafou, m'parle de l'État te gen kafou depuis 200 ans et plus. Qui connaît l'État te gen kafou pour un jeune d'aller divertir culturellement. Qui connaît l'État te gen kafou pour un jeune t'es capable aller épanouir culturellement. Qui côté on l'école kafou t'es capable choisir pour le fond graduation. Parler du côté l'État. Qui côté l'État gagne kafou pour un jeune t'as le fait pour on l'école t'as le fait formation. Qui côté l'État gagne un kafou pour on l'école professionnelle t'as décidé aller faire en semaine de formation. Il y avait pas ça à kafou. Donc nous tout le monde kafou gagne fort intérêt pour capable contribuer dans tel projet. Parce que Kafou, c'est une ville bicentenaire. Depuis 1813, la ville est fondée. Après 208 années, finalement, après 208 ans, on a essayé de décider de construire un centre culturel. Je pense que tout le monde a intérêt. Même les gens qui peut-être ont des problèmes politiques, ont des positions politiques avec la gouvernance de la mairie, mais je dis assez bravo pour la mairie, parce que ça fait là, depuis 213 ans, la ville n'a pas de gagné. Donc, nous réussissons à gagner. Nous essayons et nous souhaitons que la population kafouaise après approprier de lui parce que protéger le tout parce que nous avons signalé que l'année dernière le fond de ben au fait n'est devine tirer là-dedans n'est devine bouler. Donc je dis à là c'est bon question de la mairie, l'administration municipale, les gens vont passer, ils s'en vont, mais cette culture a prêté, la mairie a prêté, les institutions restent. C'est bon question de Judédois aujourd'hui, c'est question de Kafou. Ou gen a pas aimé maïsia, ou gen a pas aimé on maire adjoint, ou gen a pas aimé on directeur non mairie, ou gen a pas aimé on professionnel qui travaille à la mairie, mais faut aimer centre culturel là parce que c'est pour moi, c'est pas pour vous et pas pour maire là, c'est pas pour personne la mairie, c'est pour Kafou. Donc tous ces monde Kafou on beau bagarre fait Kafou, gen intérêt pour aimer ça fait là. Est-ce que pendant 3 journées ça n'a pas gagné des visites guidées dans centre là pour expliquer monde qui là yo et qui ça lié salle qui là yo à qui ça va servir ça au porter non ça yo à qui ça va servir. Pour qui ça tout enthousiaste ça yo n'a pas rappelé que grand documentaire qu'a préparé tout pour expliquer démarrage projet jusqu'à finition journée jeudi à qui tout impact qui toute épreuve qui toute difficulté qui rencontré qui tout blocage nous rencontré qui toute motivation tout nous joindre pour nous capable avancer. 70 millions de goods environ chiffre là beaucoup exact parce que jusqu'à présent il y a des dépenses c'est on dit over 60 millions de goods. 60 plus pas 60 millions. Et avant hier, mais a dit l'obligé sécher mairie pour le faire bouger ça. Parce que ça bouffe de l'argent. Ça son projet qui budgétivore. Qui contribue son secteur privé parfois. Gagne un peu le monde qui contribue. Un peu le monde qui contribue et m'a salué des nèg tankou Ok Michelet, Ok Nene, tankou Divinité. T'as un paquet d'autres institutions, m'a blé cité trop pour m'a blé quelque chose d'eux même. Parce que le jour de l'inauguration, m'a ici à gagner pour les cité de A à Z, tout le monde qui peut des contributions pour que cette culture soit capable de faire. Alors, cette culture, elle s'est regardée de l'autre qui a existé dans de l'autre commune. Nous estimons que Jean nous pral pour tel baïmounio, Jean nous fait l'al, pas gagner pour l'envie à ça que tu as déjà eu. Ah ben non, du tout pas. Qui ça fait la différence selon nous? Je connais l'autre commune qui a un centre culturel municipal. Moi connais par exemple le centre culturel de Jacmel, moi connais bibliothèque Delma, mais là m'a parlé de centre culturel municipal de Kafou. C'est pas une bibliothèque, c'est un centre culturel. Rien à envier à quel que soit projet, on parlait de l'autre commune dans la République là, rien à envier. Je te dis là, on souhaitait qu'un entretien fait pour que, après 3, 4, 5 mois, climatisé pas gâté, l'exilateur pas qu'à fonctionner encore, l'exilateur dans la salle. Yeah. On y travaille là-dessus. L'idée, c'est d'assurer que c'est fait et puis Kembel en vie. C'est pas seulement l'entretien du bâtiment. Ça, avant de préciser, le bâtiment, il doit faire de bien entretenu, mais c'est Kembel vie là-dedans. C'est Kembel activité culturelle. Ça fait inviter toute l'école, inviter toute organisation, inviter toute l'école professionnelle, inviter toute l'église, tout, pour capable poter coller pour une Kembel bâtiment en vie. Et pas seulement dans le mur, dans le ventilateur, dans le climatiseur, mais c'est poter la vie en dans le centre culturel. La valeur d'une chose, il va résider dans sa possession, mais c'est dans son utilisation. C'est qui ça nous va le faire de ce centre culturel municipal. Justement, pour ne pas te détourner, mon gars 3 4 5 mois pas qu'à toucher et puis il bloqué centre là, grève a fait passer par là, si on besoin une faire recherche pas qu'à faire recherche. C'est mon courant à travers la République. Oui, mais fort de ces exemples,
moi penser que mais il y a pas les dispositions nécessaires pour que nous éviter arriver dans de tels cas parce que ça arrivé un peu partout à travers la République gens de Kassaï ou moun pa ka touché mouvement de protestation vinn fête et ça n'a pas invité tout le monde ka fou pour comprendre logique ça. Lorsqu'on problème avec l'administration ou un problème avec une personnalité publique ou bien politique, c'est pas bâtiment qui est problème. À qui ça sent culturel la fête Saint-Ginio? C'est avec taxe mon kafou. C'est comme moi-même avoir papa, maman, frère, soeur, cousin, amis, nous tous, comme papa, maman, nous tous nous contribuer pour nous faire ça là. Lorsque nous boule ou bien on tire et roche sous nous casse vite ou endommager bâtiment. C'est tout endommagé. Parce que ça fait assez dans poche ou le sorti. Généralement, nous on a demandé qui ça fait avec taxe. Nous, cette culture, c'est avec taxe nous que le fait. Donc, au lieu que nous détruire, c'est protéger. Maintenant, 29-30, 1er mai, pour tout le monde qui a suivi là, rendez-vous, c'est pas le Carrefour. C'est pas le Carrefour. Moi, je suggère tout le monde, font-il mettre le Carrefour dans la tête pendant 3 jours. Selon l'activité Carrefour, sur soi, sur lui, pensez centre culturel Emmanuel Chalmaille, sous la République, là, tous ses amis, Carrefour, tant qu'on gagne et Serge Union Lindor. Pensez Carrefour, n'a pas visé tout le monde. C'est mon Carrefour. Bon, c'est mon Carrefour, depuis toute activité qu'on va bien pendant 3 jours, on attend nous. Plus que Zabi Kafou. Alors, mais vous n'êtes pas venu seul pour venir garder, mais on dit faut que marche. On est venu manger tout. Lorsque ton plat créole ou manger ou contribuer dans cette culture là. Lorsque ton zèbre artisanal ou contribuer dans cette culture là. Donc pas venu seulement venir garder, mais mettez qui choisit dans poche pour venir consommer tout. Parce que consommation est de mise pendant le jour ça. C'est porte ouverte. Tout monde est-ce que si quoi mon consommer il va le servir tout dans les bibliothèques là dans les descentes là de manière générale justement tout son monde acheté tout son monde acheté contribuer en quelque sorte contribuer en quelque sorte mais mon état doit quand même marcher avec un livre c'est ça n'a demandé mon chaque monde un livre parce que bibliothèque là faut nous équiper directeur en bibliothèque nationale là d'Angelo Devini en bas il dit monsieur, ça c'est une pigo salle de lecture que nous gagnons dans toute République là. Donc, nous avons fait promotion, hein, yon Carrefour, yon livre. Vous dites que notre projet mairie a gagné, nous allons le refermer. 17 projets en cours d'exécution, nous avons cité par exemple le centre de santé Mona Chandel qui est censé prêt. Nous avons cité l'hôpital, l'école communale Laval, rond-point Thor, trottoir, réhabilitation, route des rails. Nous avons cité par exemple projet. Route Charpentier qui démarre malheureusement avec quelques petits blocages. On a parlé de Côte-Plage 26 qui fait, Côte-Plage 28 qui est en cours d'exécution, qui va le redémarrer, Châtissat-Campé. On a parlé de pompe de l'eau qui gagne un coupeau. On a parlé de première place publique, Ville-Labral gagne finalement, Fontama 45 à côté Mormont. Donc c'est autant de projets qui sont en cours d'exécution dans la ville de Carrefour, environ 17 projets qui gagnent cap exécuté là que mairie a travaillé sur. Moi, pourquoi on a fini? Il est beaucoup fini. On y travaille là-dessus, il commence déjà. Il va le redémarrer. On a parlé de Paloma, on a parlé de Canasuc, on a parlé de toute l'autre route ça, qui après pont, que mairie après travaille sur. T'as 12, t'as 14, côté centre culturel là. Il y a un ensemble de projets ça, que nous avons trop droit qui fait déjà. Gain tout qui commence avec le revêtement, mairie à travers là-dedans, gain qui va le redémarrer là. Mais on a plus le projet, mais pas trop de temps. Pas qu'il y a trop de temps, je toujours dis ça, les gens s'en vont, mais les institutions restent. Qui moun kap vin kafou pour pas faire des postes? Qui moun kap vin kafou pour pas finir Côte Blanche 28 qui commence? Qui moun kap vin kafou qui va vin dirigeant pour pas faire tout ça ou qui est en cours d'exécution? Donc, en tout cas, dans tête nous que pas retant pile temps. On met rien doit aller, mais le travail était commencé, il y a la continuité de l'État, faut que le travail a fini. Et ça fait que moun kafou pour yo lever voix yo, l'État fait nous des promesses. Le l'État commence son travail, levez-vous à nous pour l'État finir, mais également il faut que vous payez taxes. Il faut que vous payez impôts, il faut que vous payez taxes. Et ça n'a toujours continué, mandil, il faut que les gens qui apprennent à payer taxes. Je veux dire, nous travaillons pour lever fatra dans la commune de En pile, sans relâche. Matin, midi et soir, voire il mérite à travailler 3 fois par jour pour lever fatra dans la commune. En tout cas, rendez-vous à ces 29-30 avril, puis 1er mai. Évitez mon une fois encore parce que nous allons finir. Pour nous finir, nous remercions tout le monde qui était avec nous branchés TNH pendant la mise au point. Nous disons que rendez-vous a cassé. Un seul côté Carrefour, les 29, 30 avril et 1er mai, venez découvrir bâtiment flambant neuf ça. Le centre culturel Emmanuel Chalmaille qui est en phase finition pour décoller, venez faire combien pour nous capables
achevé œuvre ça que mairie de Carrefour il a gagné tour 12. Merci à magistrat Julien Doua pour leadership li pour grand travail ça. N'attend tout monde Carrefour, tout monde en République là tout qui voulait porter coller avec nous. Bra nous l'ouvrir pour nous capable recevoir 17 mais finalement pour nous inaugurer le centre culturel Emmanuel Charlemagne. C'est tout Carrefour son véritable Carrefour hein. Ah ben bien sûr, là, c'est, bien sûr. C'est 5 départements. Hein? Passage obligé pour aller dans le sud, pour aller au sud-est, pour aller vers l'Enip, pour aller à Grandos, obligé de passer Carrefour. Et une bonne partie dans l'ouest, ça tout. Et si Carrefour, c'est parce que 600 000 monde, là, ça? Environ 600 000 monde, environ. C'est quand même... Et nous, nous, quand on dit que si Carrefour, bye bye, cimetière, pas besoin. Donc, extrêmement important pour que Mounio mette le regard pendant 3 jours, ça, sous Carrefour, c'est un passage obligé. Donc, quel que soit le problème qu'on est capable de gagner avec ville là, mais rappelez-vous que son ville hospitalière, son ville qui calme, même si gagne ces jours-ci, en pile si dérive qu'a privé la dani, n'a pas travaillé pour nous retourner au calme, retour à l'autre dans ville là, qu'est-ce que ça clé dans tête nous, 29-30 avril et 1er mai, le centre culturel Emmanuel Charlemagne attend nous tous pour que nous capable de porter contribution par nous. Comment le cas courant est Carrefour sur ça? C'est bien le côté qui plein. Ah, Carrefour, pas épanier, pas un courant. Mais nous central Carrefour. Malheureusement, mais faut qu'on connaisse central Carrefour, elle va desservir Carrefour directement. C'est dommage. Carrefour gagne deux centrales qui une bouchette, une fonte amara. Je dis à notre monde d'am grandi bouchette, tu connais des monde dans zone, tu tout connais ce gagne. Toujours aidé. Carrefour gagne deux centrales, une fonte amara, une bouchette. Récemment, magistrat était réuni avec moun qui travaille sur rail là qui a ajouté centrale, il a pas ajouté sur rail là. Et il a annoncé que il a augmenté en capacité centrale bouchette là, il a augmenté en capacité centrale qui Fontamara et puis il a construit ça construit en bas. Donc nous sommes dans l'attente, attend courant, mon repos, mon bouchette, mon Fontamara, mon coup de plage, tout mon attend, mais il a continué faire pression pour que EDH capable bailler population. Parce que là c'est qu'on a passé 5 à 6 jours hein. Ah, c'est plus, l'ancien de zone dans Carrefour c'est plus. C'est plus c'est 8 à 10 jours, c'est plus moi même parent depuis qu'il est moins courant. Des fois c'est l'odeur ou le frigidaire des glaces ou des quoi. Même question de l'eau, l'entente est réputée pour une commune qui est chargée de l'eau. Je veux dire comme si moi c'est on a acheté de l'eau, camion de l'eau. Carrefour toujours gagne de l'eau. Carrefour toujours gagne de l'eau. Peut-être gagne effort qu'a fait pour que mon yo capable de servir plus, mais Carrefour gagne toujours gagne de l'eau. Mais faut dire tout de l'eau Carrefour aller la ville tout. Ben il nous faut du temps même penser que situation pas prête déjà là. 29-30 avril, 1er mai, on attend tout le monde sur aujourd'hui. Le centre culturel municipal fait appel à nous. Vous dites tout le monde, vous parlez pour recevoir tout le monde. Vous parlez pour recevoir tout le monde, c'est 3 jours, c'est vini, faire swap faire et puis allez, on y travaille là-dessus. Parce que si on a venu à machine, comme si on pas remarqué parking dans ce temps. Parking, pourquoi il y a parking? Ça il faut le dire, pourquoi il y a parking? On passe ça. N'a pas obligé parking dehors, mais nous gagnons logistique qui a travaillé pour que nous assurer garantie sécurité. Moun kap vini, mais bien moun kap vini tout. Que moun kap vini à machine. Ça, il faut le dire. Nous prenons des mesures pour que nous capables de garantir la sécurité moun kap vini avec machine tout. T'as dit, Ismaël, de vos numéros de téléphone, pour que si moun kap suivre là, vous voulez aider. Numéro de téléphone, yo, c'est 39, alors 37 85 50 26. 37? 37 85 50 26. Par contre, moi, je suis capable d'ajouter plusieurs autres numéros pour moun kap suivre nous. On va aller vite? Oui, on va aller vite. C'est 37 85 50 26. Ensuite, un instant, s'il vous plaît. Je vais me rappeler sur le réseau de dire 37 85 50 28 26, 26 38 44 57 57 38 44 57 57 57 deux fois 48 41 65 64 48 41 65 64. Vous prenez plus lentement 37 85 50 26 38 44 57 57 48 41 65 64. Vous capable briller dans trois numéros, quatre numéros ça sous besoin pour ton contribution, sous besoin plus d'informations pour venir porter coller dans inauguration dans trois jours d'activité ça. Trois jours c'est 29 avril, 30 avril, 1er mai, puis inauguration c'est pour 17 mai qu'app venir là, mais avant d'arriver 17 mai, monsieur dame Carrefour après nous pour nous porter coller, venir garder espace là pour tes livres et matériel qui capable aider centre culturel ça tourner une réalité pour mon Carrefour et tout le monde qui a très certainement besoin de services pendant la présence centre culturel Mano Charlemagne Joseph Emmanuel Charlemagne un nom qui dit en pile dans question culture dans pays et surtout pour monde qui habite Carrefour pour monde qui connecté à Carrefour. Nous sommes contents de vous matin. Invitez-nous, c'était Ted Ismaël Nordé, une responsable communication mairie Carrefour, pour nous parler de trois journées d'activité ça, pour lancer centre culturel Emmanuel Charlemagne dans Tour 12.
Merci tout le monde. Soutez là dans la matinée. Bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.